m'appelle Laurence Guépinelli, je suis auteure et comédienne dans La Grande Vague. Alors moi c'est Alizé Linavert et je suis comédienne dans La Grande Vague. Alors moi c'est Julie Berlin-Sémon et je suis aussi comédienne dans La Grande Vague. Et Alizé Lombardo, je suis donc metteur en scène. La compagnie, c'est la compagnie Paloma. C'est une compagnie que j'ai fondée il y a plus de 10 ans pour servir mes textes, mes créations. Voilà. Alors le lieu, donc, c'est le Théâtre Le Fou, c'est la compagnie Essentiel Éphémère qui gère le lieu. On est une compagnie en fait de comédiens, metteurs en scène et on essaye de faire vivre ce lieu avec de la programmation jeune public, en particulier cette année. Avant, vous êtes du tout public, mais le fait qu'on soit comédien nous-mêmes et amené à jouer des projets partout en France, on n'avait plus la possibilité de faire un accueil compagnie digne de ce nom. Et nous, ce qu'on aime, c'est la relation avec les gens, donc on voulait être bon dans ce qu'on faisait. Donc on a préféré réduire tout ça. C'est un lieu qui accueille beaucoup de spectacles contemporains. On est toujours sur des sujets ici de société et voilà, on est très ancré dans l'actualité. Et voilà, on aime ce genre de projet-là. Et celui-ci en fait partie. Laurence m'a contactée pendant le premier confinement, je crois. Mmh. Il m'a envoyé ce texte-là. Effectivement, Laurence, je la connais beaucoup parce qu'elle le loue le lieu depuis très très longtemps. Et à la lecture du texte, ben, je me suis dit oui, ça va être une belle aventure, quoi. J'avais envie de faire ça avec elle et l'équipe qu'elle m'a proposée est juste parfaite. Le casting est top, donc ça a été un vrai bonheur. La Grande Vague, c'est l'histoire de Lise, atteinte d'une maladie neurodégénérative qui est condamnée à mourir lentement. Elle prend la décision d'être euthanasiée à l'étranger, puisqu'en France, ce n'est pas autorisé. Et on arrive dans la pièce à l'instant où elle a deux grandes filles qui sont adultes, et on arrive dans la pièce à cet instant où elles vont échanger sur cette décision qu'a prise Élise. On s'est posé la question avec les filles, mais comment on va la présenter au public, leur raconter que c'est l'histoire d'une dame qui choisit de mourir dans ce contexte qui est particulièrement anxiogène. C'est pas vendeur, mais même si l'ossature de cette pièce est très épaisse, c'est pas une pièce qui va traiter uniquement de la maladie, c'est une pièce qui parle aussi d'engagement, qui parle de courage et qui parle justement de ce moment où dans la vie on est confronté à quelque chose d'exceptionnel, le tsunami, et comment on va le dépasser, comment on va faire ensemble pour arriver à survivre à ça, et qu'est-ce qui va se dégager de tout ça, parce que l'humain est capable de faire de traverser des situations dramatiques et de s'en sortir. Et dans le cas de ces deux filles, en tout cas, des deux filles de Lise, elles vont pouvoir se mettre en perspective par rapport à leur vie. Donc dans le contexte Covid, oui, on joue aussi, et pas forcément que du comique, ce genre de thématiques. Il faut continuer à les jouer, en tout cas. C'est compliqué, hein. Il y a les théâtres confirmés pendant un long moment, les projets qui s'annulent, certains qui se reportent, d'autres pas, du coup. Et non, c'est pas facile. Voilà, on garde espoir, mais on attend de voir. Ouais, c'est même très très compliqué, j'avoue, hein. On a tout été en stand-by, étant comédienne moi aussi, c'est sûr que mois de novembre, décembre, ce sont des périodes qui normalement, c'est là où tout se fait pratiquement, donc tout a été arrêté. Effectivement, on a eu des répétitions où c'était compliqué de se mettre dedans, parce que déprime, parce que ras-le-bol aussi, et voilà, tout ce que tout le monde vit, on le vit aussi. Mais perspectives aussi. Ouais, c'est ça, c'est des perspectives. Est-ce qu'on va pouvoir jouer ce spectacle? Quand? Avec quelles contraintes? C'est tout des questions. On se repositionne, en fait. On est obligé de se repositionner à chaque fois. Ça demande une énergie de dingue. Mais
Mais on continue, on lâche rien. Et c'est ce qu'on s'est dit à toutes les quatre. On s'est dit, même à toutes les cinq et six avec les régisseuses. Ouais, parce qu'on a des régisseuses. Top, mais voilà, on s'est dit, on lâche rien, on continue, on se tient prête. Et dès que ça réouvre, et ben, au moins, on sera prête. On aura tout fait et on aura continué à bosser. Parce que attendre sur le canapé en regardant Netflix, c'est juste plus possible. Et on maintient nos dates. Nous, on jouera fin janvier et on y croit fort et on fera tout pour. Voilà, tout pour. Je m'adresse au public parce qu'on a, on a besoin de lui. Quand la grande vague sortira, venez. Oui. Ouais, venez. Soyons solidaires et ouais. Faisons vivre les théâtres. Revenez vite, on a hâte. Merci. Grand merci à vous d'être venu.